Exemple de référentiel, on va commencer par le référentiel de cette bonne vieille terre. Alors, la terre, qu'est-ce que c'est? Bon, vous savez, vous êtes posé dessus, vous savez ce que c'est. Bon. Un référentiel, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement un solide de référence, par exemple, ça peut être ce tableau, hein, qui est lié à la terre, et on va étudier les mouvements par rapport à ce solide de référence. Par exemple, tiens, voilà une pomme qui tombe. Le solide de référence, le référentiel terrestre, ben, c'est le tableau. Eh bien, par rapport au tableau, le mouvement de la pomme est rectiligne et accéléré. Pourquoi? Parce que sa vitesse augmente. Alors, maintenant, on va voir maintenant un solide de référence qui serait placé au centre de la Terre. On appelle ça un référentiel géocentrique. Géocentrique, ça veut dire placé au centre de la Terre. Ce serait donc, par exemple, un petit cube placé au centre de la Terre, mais lui, il ne serait pas entraîné en rotation avec la Terre. C'est-à-dire qu'il ferait quoi? Mais il aurait uniquement qu'un mouvement de ce qu'on appelle translation circulaire autour de quoi? Eh bien, autour du dieu Soleil. Donc, si ce solide est placé ici, eh bien, ce solide va avoir ce mouvement, c'est-à-dire il va se déplacer, avoir un mouvement circulaire autour de la Terre. Et ce sera un mouvement de translation circulaire. Pourquoi? Parce que tout segment AB de ce solide va se déplacer parallèlement à lui-même. Hein, donc, dans, à l'instant T, il va se retrouver ici. Puis à l'instant T1, il va se retrouver ici. À l'instant T2, il va se retrouver ici, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les référentiels géocentriques. Alors, quand est-ce qu'on utilise ces référentiels géocentriques? Bien, par exemple, pour étudier le mouvement de la Lune. Parce que vous savez que la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne autour de la Terre. Donc là, c'est le référentiel géocentrique. Ça, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Et par exemple, par rapport à ce référentiel géocentrique, la Lune, alors je vais le montrer dans ce plan-là, ce sera peut-être plus simple, la Lune a un mouvement qui est circulaire, uniforme. Bien, après, on a encore un dernier référentiel, le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire ce serait un solide de référence hein, dont les trois arêtes sont pointées ici vers des étoiles lointaines. Je peux appeler cette étoile E1, E2, E3. Et ce référentiel héliocentrique nous servira à étudier quoi? Eh bien, le mouvement des planètes autour du Soleil, du mouvement de la Terre, de Mars, de Jupiter, de Neptune. Je ne vais pas vous faire toutes les planètes, vous les connaissez, vous les avez vues en SVT.